Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Donc, c'était jeudi après-midi. Donc, j'avais fait tout mon coin salon et là, je m'attaquais à la cuisine. Donc, j'ai commencé par ma plaque. J'ai nettoyé ma crédence. Et après, ben, je vais nettoyer mon plan de travail. Enfin, je vais faire que le plan de travail en fait. Je me servais de mon produit Fabuloso. C'est un nouveau que j'ai pris parce que j'ai fini le mien. Enfin, j'avais fini pas le Fabuloso mais le produit rose. Du coup, comme j'ai un stock, j'ai été chercher mon Fabuloso et il est efficace. De toute façon, je vous en parlerai régulièrement de mes produits en attendant de faire des produits, une vidéo retour produit fini. Donc, il y avait la musique, je dansais et je vous ai mis en normal. Je vous ai pas mis la vidéo en accéléré parce qu'elle est courte en fait, elle fait que 13 minutes. Donc, je me suis dit, je vais pas la mettre en accéléré, je vais vous la mettre normale. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur, je vais frotter ma table, je vais nettoyer mes tabourets. Donc, elle est toujours avec sa musique. J'adore, c'est la vie, la musique, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc c'est vraiment un petit ménage, hein. C'est vraiment pour rafraîchir la maison. Je vais attendre la semaine prochaine pour vraiment tout faire à fond. Monsieur reprend le boulot, on va se remettre à fond dedans. Hein. C'est pour ça que à chaque fois dans mes vidéos, je vous dis de faire un petit peu tous les jours. Si vous devez nettoyer des portes, faire des chaudières, vous avez tout l'hiver pour comment faire tout. Un petit peu tous les mois ou toutes les semaines, comme ça dépend comment vous fonctionnez. Comme ça, après l'hiver, quand votre mari, ou si vous voulez avoir par exemple 3 semaines tranquille avec votre mari, partir ou je sais autre, hop, vous pouvez dire ben coup, c'est bon, tout y est fait, j'ai plus besoin de faire. Donc moi, j'attends jamais le ménage de printemps comme beaucoup de gens font, ils disent oh, je vais faire mon grand ménage de printemps. Moi, non, je fonctionne pas comme ça en fait, je fonctionne. Soit toutes les semaines ou une fois par mois, je fais quelque chose. Mais là, je vais recommencer tout. Je dois nettoyer toutes mes portes parce que là, elles sont sales. Je vais faire ma chaudière un jour. Là, faut que je fais tous mes PVC, mes fenêtres, mes persiennes. Donc là, ça va être la préparation à l'hiver en fait. Donc, je vais attendre qu'Alan y reprend l'école. Puis, fenêtres et PVC, je vais le faire en ce moment-là en fait. Là, je vais commencer à nettoyer mes portes, à faire mes VMC, nettoyer au-dessus du frigo, la hotte. Enfin, vous voyez, de toute façon, vous savez comment je fonctionne maintenant, quoi. J'attends jamais le printemps pour dire je fais le grand ménage printemps. Non, là, monsieur est en congé 4 semaines. J'ai pas fait de gros ménage. De toute façon, vous l'avez bien vu. Mais là, je vais m'y remettre en fait. Je vais m'y remettre parce que là, la poussière, elle s'est posée un peu partout et tout ça. Et puis on va se remettre. Donc là, je lavais les sols. Donc c'était avec mon produit Monsieur Propre la lavande. Et franchement, je l'adore. Je suis tombée amoureuse de ce produit en fait. Mais le problème, c'est qu'il coûte cher, quoi. Donc je pourrais pas en acheter assez souvent. Parce que 4, je crois, ouais, c'est 4 euros, je crois.
Ouais, 3 euros des brouettes, ça fait cher. Bah après, je lave pas. Je lave deux fois semaine maintenant mes sols. Qu'avant, je lavais tous les jours. Et il y a même des moments, je lavais matin et soir. Que là, je me suis bien ralenti quand même. Je fais deux fois semaine. Et l'offre que je fais, c'est renettoyer tous mes joints. Parce qu'il y a pas mal de joints qui sont plus blancs. Donc ça aussi, ça sera à faire. Et puis voilà qu'on va préparer l'automne tout doucement, on va dire. Hein? Tu regardes bien la vidéo jusqu'au bout, mes petits chats. On clique sur le pouce en haut. Et puis, activez votre cloche si la cloche n'est pas activée. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous cliquez dessus pour la désactiver. Vous recliquez, elle va se remettre. C'est pour recevoir les notifications. Et puis, tu y es gratuit. Vous le savez, de toute façon, maintenant sur YouTube, tout y est gratuit. Donc voilà, mais surtout, surtout, on leur reprend la rentrée. Surtout regardez ma vidéo jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même si vous ne la regardez pas, vous mettez sur muette, vous coupez le son, mais vous laissez défiler. Voilà mes petits chats, merci, merci, merci. Donc là, je vais laver le côté, l'autre côté cuisine. Donc j'avais nettoyé mon tabouret, je l'ai mis sur la table parce qu'il était plein de poussière au niveau du truc, là, du pied. Donc je l'ai bien nettoyé. Puis là, je donne un coup. Franchement, je donne des coups comme ça, pas trop mouillé, juste qu'est-ce qu'il faut. Donc je donne 3 coups comme ça. Et puis après, voilà, au moins la maison, elle est propre. Je me sens bien dans mes baskets, comme on dit. Hein. Il faisait bon, donc là c'était dans l'après-midi. Et après, j'avais parlé avec ma voisine, bien, ouais, 3 quarts d'heure là devant. Donc, en plein soleil comme ça, franchement, ça fait trop du bien. Là, j'ai pas hâte que le mauvais temps y revienne. Hein. Moi, j'aime bien le soleil, mais malheureusement, hein, faut bien qu'on passe dans toutes les étapes. Hein. Donc, je passe un coup, c'est tellement bon, c'était très, très agréable. Avec mon petit produit Monsieur Propre à la lavande. Si vous pouvez l'acheter, bien sûr, franchement, achetez-le parce qu'il sent trop bon. Trop bon. Et franchement, il me lave super bien mes sols. Là, il faudrait que je vais à Lidl. Je crois que c'est aujourd'hui. Non, lundi. Ils vendent les microfibres pour bas les vapeurs. Donc, je vais aller en acheter. C'est le lot de 2 pour, on va dire, 8 euros. C'est 7,99 euros, un truc comme ça. Donc, il faut que je vais en chercher parce que mon balai vapeur avec mes anciennes, là, il me fait beaucoup de traces. Pourtant, je les lave à la machine à 90 et sans produit. Comme ça, je suis tranquille, quoi. Donc, à l'eau bien chaude, comme ça me les désinfecte et ça me les nettoie bien. Mais il y en a 1 sur 2 qui me fait des traces sur les sols. Donc, je vais aller chercher 2 neufs et j'espère en trouver parce que souvent, ça part vite fait, bien fait. Hein. Et Nathalie, elle va se retrouver sans rien. Ah, sur l'île de l'en plus, le mail est petit, mais quand c'est comme ça, ma fille elle en a pas loin de chez elle. Quand c'est comme ça, je dis qu'elle va voir, et puis si elle trouve de son Lidl, elle me le prend, quoi. J'ai mes 2 filles en secours, quoi. Donc voilà, donc je finis de laver mes sols. Et vous lavez comment? Vous faites comme moi, donc vous partez par la porte ou vous faites à l'envers en fait? À l'envers, c'est-à-dire vous commencez à nettoyer, vous laissez votre porte fermée, et puis vous commencez de votre porte, et puis vous partez soit dans votre couloir, ou soit dans une pièce, enfin peu importe. Moi, j'appelle ça laver à l'envers parce que moi, j'aime bien partir toujours vers la porte, même si quand il pleut et tout, j'aime bien ouvrir ma porte, et comme ça aère bien ma maison, et puis ça sèche plus vite parce que la porte, elle est ouverte, vous voyez?
Voilà, tu étais sec, donc je redescends tout. J'avais déjà papoté, hein, n'est-ce pas? Nathalie, elle aime bien papoter, elle aime bien faire aller sa bouche. Et du coup, là, je remets tout en place. C'était bien, ma maison sentait bonne. Alors, j'ai acheté une bougie à Action. Je vais essayer de vous éclairer la photo. Je sais pas comment on fait. Enfin, je vais essayer. Je vous promets rien du tout. Mais sinon, le nom est franchement, elles sont bonnes. Botanica. Il y a trois parfums. C'est Airwick. Donc, moi, j'ai pris. C'est aux ananas, je crois. Il y a ananas et puis un autre modèle. Enfin, deux autres modèles. Je vais essayer de vous la mettre en photo. Donc là, je suis ma petite vaisselle en fait. J'étais de bonne humeur, il faisait bon, ma porte est ouverte, j'avais parlé avec grand-mère en face. J'étais bien, voilà, j'étais bien. Donc là, je suis ma petite vaisselle, toujours avec ma musique. Je crois que j'étais tout seul. Et j'étais super bien. Alors là, mes petits chats, un désastre. Le monsieur propre que je vous fais voir, ne l'achetez pas. Enfin, après, vous faites qu'est-ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est voilà. Mais moi, c'est niette, je ne le lâcherai plus. Regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai des traces sur mon évier. Donc, j'ai pulvérisé ce monsieur propre. J'ai laissé 5 minutes. Je vous promets, j'ai laissé poser 5 minutes. Je vous fais voir de toute façon l'heure où je pose. Regardez, il est 59, je crois. Ou 53 ou 59, et il y a 5. Il n'y a rien qui est parti de mes traces. Rien du tout. C'est de la pure cochonnerie. Si, ça peut être efficace pour nettoyer une table. Voilà. Vous voyez, une table qui n'est pas sale. Un plan de travail qu'il faut donner un coup comme ça, parce qu'il y a de la poussière, mais il n'y a pas de tache, il n'y a rien qui est propre, mais donner un coup. Voilà, des petits trucs comme ça. Ou pour peut-être des poignées de porte, ou je ne sais pas, mais pour des grosses taches incrustées, niette, niette. Jean-Charles connaît le moindre recoin de ce labyrinthe. Mais les gendarmes se font vite repérer. Yes! Alain, il pourra plier tous ses vêtements maintenant. Merci pour le cours de pliage de vêtements. Donc voilà, je vous mets la bougie. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous fais plein de gros gros bisous. À la prochaine, bye bye.